Bienvenue à la toute première saison de l'émission « Dans l'œil du dragon ». C'est ici que les entrepreneurs viennent dans l'espoir de réaliser leurs rêves. Grâce à qui? Grâce à 5 dragons qui sont prêts à investir leur propre argent dans leur projet. Mais assez parlé, place à l'action! Les premiers à débuter cette saison sont 2 jeunes entrepreneurs de Montréal. Ils ne doivent pas oublier la règle d'or. Convaincre les dragons d'investir la totalité du montant qu'ils demandent. Sinon, ils repartiront les mains vides. Alors, bonjour. Je m'appelle Mathieu Laroche. Je vous présente mon associé, Jonathan Quévillon. On est de Montréal et on est président de la compagnie Cartouche Chartier. Aujourd'hui, on vient demander un investissement de 150 000 $ en échange de 10 % des parts de notre compagnie. Les crayons se font aller. Les dragons réalisent qu'ils évaluent leur compagnie à 1,5 million de $. Pas mal pour de simples cartouches d'encre recyclées. Créé en 2006, Cartouche Chartier a doublé son chiffre d'affaires à chaque année et a maintenu une marge brute de 40 %. Notre chiffre d'affaires pour cette année sera de 1,5 million de $. Il y a 2 façons de se procurer nos produits. Les produits Simbé ou les cartouches originales, puisqu'on vend aussi les cartouches originales, il y a 2 façons de se les procurer. Soit directement sur notre site Internet, qui est cartouchecertifiée.com, ou à notre, pour l'instant, unique point de vente situé à Montréal. C'est un point de vente qui est géré par qui? Qui est géré par nous et on a 10 employés. D'accord. Pour bien se comprendre, une cartouche comme celle-ci que j'ai en ce moment, ouais. Comme pour une imprimante à la maison ou... Ouais. Donc, je l'achète du manufacturier, je paye combien? Bien, en fin de compte, vous l'achetez de nous directement parce que c'est nous le manufacturier de ce produit. Oui. Là, je pense pas... Si je vais, là, si je l'achète, c'est marqué HP dessus, ouais. Je paye combien? À mon avis, c'est de l'ordre de 45 $ pour cette cartouche noire-là. OK. Et puis... nous, on la vend 25, 26 $. Parfait, merci. Wow. Vous voulez faire quoi avec le 150 000? Principalement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est ouvrir des commerces. On veut ouvrir d'autres boutiques pour cartouches certifiées, pour nous amener une meilleure visibilité présentement dans la région de Montréal. C'est sûr et certain qu'on sait que l'ouverture de 3 commerces pour la première année, selon nos calculs, puis en se fiant aux commerces qu'on a présentement, la première année, on va perdre environ 100 000 $ pour le fonds de roulement. Est-ce que c'est tous des boutiques que vous allez gérer personnellement ou vous voulez les vendre à titre un peu comme une franchise ou... Très bonne question. C'est intéressant d'amener le point. On ne se connaît pas particulièrement en termes de franchise. On pense qu'il y a certains spécialistes ici qui pourraient nous aider. J'aimerais vous dire une dernière statistique. Il y a 50 % de la population qui ne savent pas que ça existe des cartouches d'encre recyclées. Donc, le marché potentiel est vraiment grand. Je suis prêt à vous faire une offre. Pour 150 000, je vais demander 35 % de la compagnie. J'allais offrir, moi, 150 000 pour 40 %. Je peux vous faire une offre, puis je la fais vraiment à cause de vous deux. Vous êtes vraiment... OK. 150 000, mais je la ferai pas seule. OK, 150 000 pour 30 %. Mais sur le 150 000, j'en mets 75 moi-même. Ça vous prend un autre dragon de mettre l'autre 75 pour arriver au 150. Moi, je l'embarque avec lui. Les choses se corsent pour François. La tension monte. On ne s'attendait pas à 30 % parce qu'on estime qu'on peut arriver à développer nos projets et atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on n'a pas la corde au cou. Non, on vous a pas dit ça. On le sait, on le sait. Si on l'avait pensé, on vous l'aurait dit. Exact. Ouais. Je n'ai pas l'intention de bider contre les dragons, alors je vais passer. Est-ce que vous voulez vous consulter? On va prendre un certain temps pour consulter. Parfait. Merci. À tout moment, les candidats ont accès à un lieu sécurisé pour se consulter en privé. Honnêtement, ça m'intéresse, mais je ne voulais pas aller contre vous deux. Non, mais tu peux embarquer à 3. Tu peux embarquer, embarquer à 3. On s'essaye avec une contre-offre qui est à ce qu'il accepte pas. 15 %.
C'est deal? 15 %. Ils peuvent être deux, un nombre de dragons qu'ils veulent, un dragon. C'est deal? Mathieu et Jonathan, pendant que vous étiez en train de faire vos négociations, OK, nous, on en a une autre. Ben, allez-y. L'autre négociation, c'est que là, vous allez vous retrouver avec trois beaux dragons, M. Legault, Mme Henkel et M. Frigon. Donc, 50 000 $ chacun pour le 150 000. Alors, vous en avez trois pour le prix de un. J'ai parlé avec François. On est prêt à matcher la même offre à 30 %. On est les deux qu'on a des contacts qui sont très, très, très complémentaires. On a beaucoup d'expérience. Donc là, c'est soit que vous choisissez la jeunesse ou la sagesse. As-tu déjà franchisé des magasins? Bon, peut-être pas. As-tu déjà distribué des choses? Ben voyons, Daniel, tu me connais? Je sais pas. Distribué. Oui. Avez-vous l'expérience? De travailler avec deux jeunes entrepreneurs qui débutent, oui, monsieur. Comme Danny et moi? Oui, monsieur. 80 % de mes employés sont de leur âge. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tantôt. Pas l'argent. Pas seulement l'argent. Si je comprends bien, on a 30 % pour trois dragons. Oui. Ou 30 % pour deux dragons. Et voilà. Oui, c'est ça. Et voilà. Voulez-vous rediscuter une autre fois? On va discuter une deuxième fois. Vous savez où se trouve le bureau. Vous savez ça. On y va. Voilà. Vous l'aurez pas. De toute façon, il y a deux équipes qui se battent présentement. On laisse ce mandat. Contre contrefait. Ils vont dire, c'est François et Danny que je voulais. C'est parce que nous autres, on est prêts à travailler fort. C'est ça le problème. Ah, ben oui, c'est vrai que nous, on travaille pas pantoute. Moi, je tiens encore mon 15 %. Je peux peut-être monter un peu, mais pas 30, c'est beaucoup. Messieurs, alors, vous avez deux offres. On attend votre réponse. On aimerait vous faire une contre-offre. Parce qu'on estime qu'on a vraiment un bon potentiel, qu'on pourrait être un excellent investissement pour vous. Considérant qu'il y a deux parties qui veulent s'investir dans notre entreprise, on aimerait faire une contre-offre à 20 %. Donc, en fin de compte, c'est pas important les dragons. Pour vous, c'est le montant et le pourcentage, c'est ça? C'est pas ça qu'on dit. Non, mais c'est quoi alors? Explique-nous, là. Tu veux 20 % de qui? Si je comprends bien, il y a deux groupes. Il s'agit de voir lequel des groupes est prêt à descendre à 20 %. Moi, je suis pas prêt à descendre à 20 %. Moi non plus. Moi non plus. Je passe. C'est de 30 % où on passe. Alors, peut-être qu'eux vont descendre, c'est... Non, ma première offre est à 35, celle de Danny est à 40. Donc, 30 % c'était juste parce qu'il y avait de la surenchère. Moi, je passe. Mais je dois passer. Ça commence à se serrer, là. Bon, bien, dernière fois dans le container, on fait ça rapide. On revient, on donne notre décision finale. Parce que sinon, là, honnêtement, vous allez baisser dans notre estime. Comme des gens qui sont pas capables de se décider. Bien, c'est ce qui arrive là, en ce moment. Là, c'est ce qui arrive présentement. Qui se passe, là. Vous changez d'avis, vous aussi, on n'est pas les seuls. Non, pas du tout. On a changé d'avis une fois, on est venu avec deux offres. Parfait. Deux offres. Et en fin de compte, je vais te dire quelque chose, Jonathan. Je crois que ma décision, elle vient d'être prise. Je passe. Contrarier les dragons est un jeu dangereux. Je vous remercie pour l'offre. Jonathan et Mathieu se sont brûlés les doigts. Quelquefois, l'arrogance, ça se paye cher. On pense qu'on n'a pas été estimé à notre juste valeur, considérant la croissance qu'on a. Quand on s'associe, c'est pas pour diviser, c'est pour multiplier. Exactement. Et avec nous, ils auraient multiplié. Et chacun a sa perception de voir un deal ou pas. Après la pause,